Bon matin! J'espère que vous allez bien. Ici, ça va mieux! Ça va tellement mieux, si vous saviez. Là, aujourd'hui, on est vendredi le 11 octobre. C'est très, 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 très froid. Puis, c'est journée pédagogique. Ça veut dire que là, Lucas et Katia, ils n'auront pas d'école. Fait que j'ai la petite Katia avec moi aujourd'hui. Mon chum, elle travaille sur le toit. Parce que là, il annonce des froids, de la neige, et tout ça, il y a vraiment hâte de finir. Si on a hâte de ramasser et qu'on fasse, qu'ils viennent rechercher le bac ici dans le cours, parce que là, c'est des frais puisqu'on le garde longtemps. Dans le fond, c'est 5$ par jour. Si on a voulu payer la livraison, mais un coup, la livraison payée, c'est 5$ par jour. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, j'avais tellement hâte de vous parler ce matin! Lika, il est allé au cinéma hier, finalement. Il est allé au cinéma avec Sab, Pam et John. On s'est voir Rob Kill. En tout cas, je sais pas quoi le titre, mais il paraît que c'était bon. Lika, il avait vraiment aimé ça. Puis là, il a mangé du popcorn, imaginez-vous donc. Lui qui disait qu'il rêvait de manger du popcorn, c'était bon, ben il en a pris au cinéma. Puis là, il arrive ici, puis moi, je réalisais pas trop ici. Je disais, est-ce qu'il fait du popcorn? Là, Lika, il dit, c'est moi. Là, je disais, ah, peut-être parce qu'il en fait pour notre film, mais en fait, je comprenais pas trop. Parce que. On venait d'aller au cinéma. Mais là, c'est parce qu'il voulait me montrer qu'il était capable d'en manger. Mais tu sais, sur le coup, j'ai saisi. Il dit, parce que j'avais peur. Tu sais, moi, dans ma tête, il était pas prêt à manger du popcorn, là, parce qu'il était pas capable, puis j'ai encore du mou. Mais lui, il avait tout le temps de me montrer qu'il pouvait manger du popcorn, mais tu sais, il était déçu par réaction. Mais après, moi, j'étais contente de réaliser qu'il mangeait du popcorn aussi, mais sur le coup, c'est ce que je sais pas comprenais. C'est à cause qu'il y a dedans, il y a des dents du fort. Puis comme il envoie ça, ça donne du fond, puis il est assez capable de m'enchouiller, puis Fait que là, on était contents, il commençait à manger. Là, hier, il a essayé de manger des céréales aussi, mais il les a pas laissé tremper assez dans le lait, mais il a essayé, il en a mangé quelques bouchées. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre aussi, donc? Fait qu'en tout cas, c'est le fun, ça, c'est le fun de le revoir plus, tu sais, il est capable plus de faire ses affaires aussi, là, tu sais, comme hier, c'est lui qui s'est servi son petit céréale. Puis, c'est ça. Donc, là, Sab, Pam et John, ils ont rentré un peu après le cinéma, ils ont chanté avec nous. Après ça, c'est Katia. Elle a été du sport hier, par exemple. C'était l'enfer. En tout cas, des fois, je sais pas ce qu'on a, là, mais si vous seriez avec nous, des fois, vous diriez comment qu'on fait, là. Là, mon jeune a fait des rigatonis pour souper, puis c'était bon, mais bon. Mais là, Katia, elle s'est assise à côté de nous autres, puis. Elle avançait la tête tout le plat, puis elle nous montrait qu'elle voulait des bouchées. J'ai dit, mais je vais l'essayer. Mais imaginez donc qu'elle a mangé plusieurs bouchées de porc, puis elle s'ouvrait la bouche grande. Fait que déjà là, on était tellement contents de ça, là, ça avait pas d'allure. Mais là, c'est qu'après, elle monte en haut, puis elle aime ça aller chiller en haut un peu, elle recommençait à monter en haut aussi, j'avais oublié de vous dire ça. Mais là, maintenant, on entend l'eau couler, on a dit, oh non, elle tentait de couler l'eau du bain en haut. Mais elle était embarquée dans le bain, puis elle faisait couler l'eau du bain sur elle. Fait que, puis là, comme vous saviez, j'avais déjà donné son bain parce qu'elle avait fait un dégât de pipi. Fait que, moi, je pensais qu'elle dit, elle a déjà mis en pyjama, je pensais qu'elle resterait juste à la charge de couche, puis qu'elle a couché, puis qu'elle a soirée. Mais là, c'est pas ça. Finalement, ben, elle était toute trempe, puis elle avait en plus fait une selle, puis ça avait débordé. Fait que là, a voulu la rechanger. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ben, on continue, on change mon chum, on profite de notre soirée, parce que là, c'est un petit répit qu'on avait depuis qu'il y avait eu l'accident, dans le fond. Parce que là, Lucas était pas là, lui, il était parti au cinéma. Déjà, j'étais contente de le voir partir au cinéma, faire une activité normale, là. Oh. Fait que, tu sais, c'est ça, ça coule beaucoup en temps, ça bave, mais ça avait pas l'air trop à le déranger hier pour aller au cinéma. De toute façon, dans la salle de cinéma, il fait noir, fait que le monde voyait pas trop non plus que ça coulait. Il s'est emmené une serviette. Fait que c'est ça, ça lui a fait du bien. Puis la preuve, c'est qu'après, il avait le goût de manger, tu sais. Mais là, après ça, ben là, Katia chill dans son lit. Nous autres, on jasait avec les autres quand ils sont arrivés du cinéma dans le salon. Fait que là, après ça, on va, parce qu'elle va voir Katia, et je vais aller voir. Tu sais, mais on la voyait de la chambre, elle était dans son lit. Fait que nous autres, on pensait qu'il n'y avait rien de suspect. Mais quand on passait la poche, l'enfant avait fait une selle, elle avait joué dans sa couche, elle avait tendu ça partout sur sa tête de lit, sur le mur. Elle avait dans les cheveux. Qu'elle voulait encore y redonner son bain. C'est agressé. Puis moi, ah, puis c'est ça, j'avais lavé le lit. En plus, j'avais tout. Ben, je vous l'avais dit, c'est tout. J'avais lavé son lit, c'est pour ça que j'avais un bobo, là. Ben, elle avait tout engraissé ses draps. Je n'ai juste enfin son lit propre. Fait qu'il faut lui enlever, laver pour. Là, je vous dis des fois, au travers de Lucas qui nous stresse. Tu sais, qu'il n'a pas une semaine facile. Fait que là, des fois, je me dis, Caroline, on va l'avoir mérité, notre ciel. Fait qu'en tout cas, pis tu sais, un bon des gars, c'est pas juste qu'elle avait traversé, ça avait salé son linge, elle l'avait tendu, elle, finalement, ce qu'elle avait été jouée dedans, tu sais. Ah, je vous dis. Mais c'est ça. Alors, on a ramassé notre chance pour le chat, mais là, à deux, on sent. Une seule, je sais pas combien qu'on ferait, là. Là, on est les deux, pis.
Aïe, aïe. Hein, Katia? Dis-le que t'as fait des gros dégâts hier, hein? Katia, elle a fait des gros dégâts. Ouais. Ouais, elle a fait des gros dégâts hier. Puis là, ma table, elle voulait pas prendre son jus d'orange. J'ai donné à Sreine. J'ai donné. Comme celle-là, elle a pas eu de pizza sur. Mais là, elle a pas d'école, fait je stresse pas. Toute la journée, pour y en donner, hein, Katia? On la laisse un petit peu tranquille. Puis là, elle écoute Bébé Einstein. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, là, après ça, quand il avait le goût d'aller dans le spa. Mais là, disons, ça ne tentait plus d'aller dans le spa, là. On avait notre. Là, je dis, appelle Nick, des fois. Là, il appelle Nick, puis Nick, il a dit, ben oui, je m'en viens. Fait que tu sais, c'est le fun. Tout le monde est au petit soin pour Lucas, puis voilà, le rendre heureux possible. Fait que Nick, il veut faire du spa. Mais là, il m'a emmené son linge. J'ai dit, ouais, je vais te le faire aujourd'hui, ton lavage. Parce que là, il n'y a pas de laver ses choses encore. Fait que c'est ça. Le Lucas dort encore. Je le laisse dormir, je le laisse en profiter. Aujourd'hui, c'est très froid, par exemple, dehors. Là, Katia, je sais pas si c'est le fait qu'elle avait mangé ou qu'elle savait évacuer, elle avait évacué comme il faut, c'est celle, mais elle a vraiment bien dormi cette nuit, elle s'est quasiment pas réveillée. Elle s'est réveillée un peu, mais vraiment pas beaucoup. Fait que, tout ça, ben là, je suis contente. C'est sûr que je suis encore fatiguée de tout, mais il reste qu'au moins, j'ai plus à voir, je souris plus, puis je vois ça tout moins gros, là, au moins. Et d'une semaine, il va avoir son rendez-vous dessus avec le maxillofacial. Le chirurgien qui l'a opéré. Puis c'est ça. Finalement, ben, je vais y aller avec Pam. Pam est en congé parce que c'est offert. Comme ça, mon chum n'a pas besoin de prendre une journée de maladie. Fait que c'est ça. Fait que on est le 11 octobre. Dans 10 jours, c'est notre anniversaire de mariage. Puis là, mon chum, il dit j'aimerais tellement savoir finir à toi dessus pour qu'on puisse profiter de notre anniversaire à l'esprit tranquille. Tandis qu'il peut y avoir l'esprit tranquille, mais en même temps, on s'est pas préoccupé. Arrêter à ce qu'on aimerait faire. L'année passée, vous vous rappelez, on avait été manger au Concorde. On a été passer l'après-midi dans le vieux, on mangeait au Concorde. Et quand il gardait qu'elle s'en venait à l'école, mais je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, qui nous suivaient à ce moment-là, que Katia avait fait une crise drette au moment que Lucas la gardait. La première fois qu'elle garde, puis elle fait une crise d'épilepsie. Mais Lucas avait suggéré ça comme un maître. Mais il reste que nous, là-bas, on était quand même stressés à l'autre bout, là. Oh là là. Bon. Lucas, à date, il est levé, il s'est levé tout seul. Là, il est allé prendre sa douche, en supervision de maman. C'est le fun. Ah, oh, je suis tellement contente. Puis là, j'espère qu'il va laver ses cheveux, parce qu'il avait les cheveux sales, par exemple. Il prenait son bain, mais les cheveux, il les lavait pas, là. Fait que là, j'espère qu'il va y penser. Fait que, ah, oh, c'est le fun. Tellement le fun. Là, ben, Kato, elle chill dans son lit avec son masseur. Katia, tu regardes-tu maman? Coucou! Coucou! Katia! Coucou! Coucou, Katia! Hey! Tu me regardes pas? Coucou! Katia se berce! Hein? Regardez, c'est ça hier le rigatoni qu'elle a mangé. Là, je vais essayer de redonner à midi. Il a mangé, Katia! Ouais! Il a mangé! Il a mangé du rigatoni! Non! Non, mangez! Mangez, j'ai dit! Ouais! Il a mangé! Il a mangé! Puis ton frère, il va essayer du crabe du Nord à midi. On va faire du crabe du Nord à Lucas. Ouais, viens manger! Assis! Assieds-toi! On va essayer de faire manger Katia! Ouais! T'en veux-tu? T'en veux-tu du rigatoni? T'en veux-tu? Tu veux-tu une bouchée? Non? T'es cute, couteau! Finalement, t'as pas dîner. T'as pas voulu dîner. Non. Oh, t'es cute avec ton masseur, mais il marche pas. Faudrait-tu donner à la maman pour charger les piles? Hein? Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Tellement contente. C'est ça, Katia n'a pas voulu manger ses pâtes, mais Lucas, il a accepté. Finalement, il a réussi de manger un crayon avec plein de cassonade, plein de crème. Au début, il avait essayé, j'avais fait du cradinaire, il voulait essayer, mais ça n'a pas marché. Mais là, le griot, ça a marché. Il a pas tout mangé son plat, mais il a mangé quand même pas mal, vraiment. Hey! Regarde, c'est pas! Regarde, c'est pas! Il en restait dans le plat? Non. Ben ouais.
Oh. Mais c'est pas grave, Lucas, elle restait pas beaucoup. Maman est contente pareil. Je suis full contente. Fait que ça va faire un bon fond parce qu'il y avait pas de solide. Hier, t'as dû manger beaucoup de popcorn quand même, ou ben? Non, ouais, ok. Ouais. T'avais pas pris d'autres solides. T'avais essayé les céréales. T'avais-tu réussi à prendre des bouchées de céréales, finalement? Non. Mais si tu pourrais essayer puis les faire ramollir plus. Les faire tremper dans le lit plus longtemps. Fait qu'en tout cas, fait que c'est le fun, hein? Là, on va aller s'habiller. Moi, je suis encore en pyjama, mais il est rendu déjà 1h30, je pense. Puis là, mon chef est au Kanak. Fait qu'on va y aller prendre une balade avec. Fait que là, moi, plus qu'à faut qu'on s'habille, par exemple, on se contraint encore. Bon. Fait que j'ai le goût de m'arranger un peu. Puis c'est signe que ça va mieux. C'est ça, je me suis mis cachère, mascara, fort à jour, petit rouge à lèvres, je suis mis petite tresse. Fait que c'est ça. Là, c'est ça, qu'est-ce que j'aimerais. Ça vous donne d'avoir un spectacle de musique Vivaldi à notre ville ici, à l'église, à 7h30. Normalement, on avait prévu d'aller avant souper chez Nick. Toute la gang chez Nick. Mais là, vu que c'est Lucas, Katia, ben, surtout Lucas, puis mon chum voulait avancer le plus possible la toiture, j'ai pensé qu'à la place, Nick vient de cuisiner la pizza ici. Mais là, il me répond pas, fait que je sais pas si ça l'intéresse ou pas. Fait que sinon, ça se peut qu'on mange la pizza ici. Je vais vous leur dire avant que Sabrina aille à leur show de musique. Bon, là, je suis dans le toc Katia, parce que Nick est venu pour nous chercher. Puis il est allé au IGA pour aller chercher ce qu'il faut cuisiner, là. Pizza pour souper! On mange la pizza pour souper! Fait que là, ben ça, je suis allée prendre une balade avec Katou parce que c'est moins plat. Puis, ben là, Lucas voulait venir, après ça, il voulait plus venir. Fait que là, Est-ce qu'elle était là? T'es tout en train de gosser après Pony. Là, c'est pour ça, je me suis assise à côté parce que j'étais assise en avant. On passait l'antiborreux, la sécurité pour en fait les mettre là-bas. Puis là, c'est ça, ça marchait pas. Elle ouvrait la porte. Fait que là, ça marche pas, la salle de meubles, ça marche pas. Je sais pas comment ça. Fait que là, c'est pour ça que j'étais assise à côté pour surveiller. Elle veut tout le temps ouvrir la porte. Tanante. Ouais, puis là, ben, Lucas, il voulait venir avec nous. Puis là, après ça, il dit qu'il voulait plus venir parce qu'il commençait à avoir mal au cœur. Ben, il avait envie de vomir. Fait que c'est plate, hein, Katia? Ouais. C'est plate, hein? Ouais. C'est plate. Hein, Katia? C'est plate. Ouais. Fait que là, c'est plate. Je sais pas pourquoi il a envie de vomir. C'est parce qu'il a mangé. Tu sais, il a pris un gruau à midi. Puis après ça, il a mangé la camfotée. Il est allé chercher un cappuccino glacé avec crème fouettée. Puis là, ben, je sais pas. Il a pris de la crème fouettée. Je sais pas si c'est ça qui donnait mal au cœur. J'espère qu'il va être correct. C'est pas qu'il remet ce qu'il a pris, là. Je trouve ça. En tout cas, c'est inquiétant, pareil. C'est stressant. C'est stressant. Ouais. C'est stressant. La belle Katia. T'es trop. Fait que c'est fun. On va manger de la bonne pizza. Pour souper. Qu'elle est fait. Mais ça va être bon. Oui, celle de ma fille. Petit décal à maman. Katou. Je t'aime. Oui. Je t'aime, Katia. Oui, je t'aime. Oh. Un bisou, maman. Maman, ça n'ira pas quoi? Bah. Fait que là, il est 4 heures. On est revenu. Là, Nick prépare la pizza, il surveille 4 en même temps, c'est le fun. Puis là, ben, je suis née au parc avec Lucas. Mais là, il fait pas si chaud que ça. Là, je veux pas Lucas tape un rhume en plus, fait que je sais pas si on va rester longtemps. On va voir, là. T'as-tu froid, finalement? Ouais. Ouais, je pense qu'on restera pas longtemps. Fait que, c'est au soleil, on est super bien, mais aussitôt qu'on a plus le vent, là, c'est pas chaud. En haut, ça terrasse, on est bien, par exemple. La sauce que Nick fait maison. Il fait toute sa sauce maison en plus. Ça sort bon.
Ça en a en fait beaucoup, mais ça en a fait plus que d'habitude, ça se peut-tu? Je sais pas. T'es bien. Non, tu es bien.